Donc ouvrir ce nouveau vlog aujourd'hui, on est mardi 22 novembre. Alors pourquoi je vous ai pas pris lundi? Parce que j'ai totalement oublié et j'étais totalement crevée. Donc j'ai eu beaucoup de mal à vous prendre dès hier. Mais là donc j'ai pas mal de trucs à vous dire. J'ai fini donc là dans le train Meurtre et Charlotte aux fraises, donc le deuxième tome des enquêtes de Anna Swensen. Que j'ai commencé donc dans le vlog précédent. Donc en fait c'est Anna Swensen, c'est une femme qui vit donc aux États-Unis dans les années 90 et en fait elle va en fait sans faire exprès tomber sur des cadavres et enquêter en fait, et tout ça dans une toute petite ville aux États-Unis. C'est où, j'en peux plus. Bon, en tout cas c'est aux États-Unis, voilà. Où il neige tout le temps, donc je vous dis pas l'ambiance que c'est, ambiance totalement Noël, super ambiance. Donc elle va donc enquêter, donc malgré elle, dans ces enquêtes-là. Donc le tome 1, c'était ça en fait, un mort qui s'est retrouvé vraiment juste à côté de chez elle. Elle va enquêter sur cette enquête-là, sur ce crime-là. Et là, en fait, c'est si je me trompe pas, donc c'est le coach sportif qui meurt, hein, non, le prof de sport du lycée qui meurt, et elle va donc enquêter sur le meurtre de ce comment dire, coach, non, de ce prof de sport du lycée. Voilà, c'était une très bonne lecture. Je n'ai pas trop vu la fin venir, malgré, on va dire au bout de, à la fin, donc je crois qu'il y a 25 chapitres. Au chapitre 23, et ben je me suis quand même dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a ça qui va arriver, et bingo, c'est arrivé. mais bon, j'ai quand même pas trop vu la fin. D'habitude c'est au bout de la moitié que je comprends qui est l'assassin, et là quand même j'ai eu pas mal de temps à comprendre qui était l'assassin. Donc une très bonne lecture encore une fois. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1, parce que le tome 1, comme il est très introductif, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai donc préféré ce tome 2. Donc voilà. Ça, c'est donc la lecture que j'ai finie aujourd'hui. Donc, comme la Coupe du Monde arrive, enfin, la Coupe du Monde a commencé, j'aime bien hein, le foot, hein, je suis très footeuse, comme on dirait. J'aime beaucoup le foot, mais on va dire que je vais quand même me lire un peu devant. J'aime bien aussi un peu lire devant, malgré qu'il y a des gens hurlent devant, bah j'aime bien quand même lire. Donc je vais commencer donc une autre lecture commune, Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, qui est sorti il y a quelques temps donc chez Pocket. Je vais donc le commencer aujourd'hui. Je suis en lecture commune donc avec Lorraine, Margot et Meline, donc mes copines du book club des 10 petites lectrices. On commence donc, les filles ont déjà commencé dimanche, on est mardi, je commence que maintenant. Et oui, on va dire que en ce moment, je sais pas, j'arrive pas trop à lire, alors que j'adore mes lectures. Hein. J'adore mes lectures, mais j'arrive pas à lire. Et donc je suis un peu en retard sur mes lectures communes. Mais bon, tant pis. Super contente de pouvoir le lire. J'avais adoré Circé de Madeleine Miller, donc en espérant qu'Achille ait aussi bien que Circé. J'ai vu beaucoup d'avis favorables, donc très pressée de retrouver la plume de Madeleine Miller. Surtout que j'ai vu qu'un nouveau livre sortait chez Albin Michel, si je me trompe pas. Un nouveau livre de Madeleine Miller sort dans quelques semaines ou quelques mois, si je me trompe pas. Donc super contente de pouvoir lire celui-ci, pourquoi pas me succomber au prochain livre de Madeleine Miller. Je vous prends aussi parce que j'ai fait des petits achats, dont un qui n'est pas pour moi, qui est pour ma grand-mère.
Ma grand-mère va, c'est bientôt son anniversaire et elle aime bien lire ma grand-mère. J'ai de la chance, c'est qu'autour de moi j'ai ma grand-mère qui, mes deux grand-mères qui lit, mon papa qui lit beaucoup. Donc je peux parler facilement un peu de lecture avec eux parce que ils aiment beaucoup la lecture. Donc j'ai parlé avec ma grand-mère un peu parce qu'elle aime bien les lectures un peu policiers et tout, et je lui parlais un peu des cozy mystery, donc elle savait pas trop ce que c'était, donc je lui ai dit bah Agatha Raisin, tu connais? Ah mais oui je connais, je regarde la série Agatha Raisin. Donc j'ai dit bah bien c'est le livre d'habitude, voilà, le livre est sorti avant la série. Donc je me suis dit pour son anniversaire bah je vais lui prendre le tome 1. Donc je lui offre le tome 1 de Agatha Raisin, que moi j'avais beaucoup aimé, donc j'espère que ça va lui plaire. Donc voilà, mon achat, donc qui est pas pour moi, qui est pour ma grand-mère, mais voilà. Donc comme je me suis dit, je vais me faire une petite commande, pourquoi pas me mettre un petit livre dans la commande, je me suis donc aussi commandé un livre. Tadam! Retour à Whitechapel de Michel Moatti. Michel Moatti était présent à Brive, mais je vous avoue que je suis passée un peu à côté. C'est juste après que je me suis dit, il y avait un auteur que j'aimais bien que j'ai même pas vu. Super. Donc je vais vous lire le résumé du livre. Amelia Prittlowe est infirmière au London Hospital et tente de survivre au bombardement de l'armée allemande. Lorsqu'elle reçoit une lettre posthume de son père, elle n'imagine pas qu'elle va devoir affronter un cataclysme personnel. Ce dernier lui apprend que sa mère, Mary Jane Kelly, a été la dernière victime de Jack l'Éventreur. Mue par une incommensurable soif de vengeance, l'infirmière va se lancer dans une traque acharnée pour trouver le plus mystérieux des tueurs en série. Par le biais d'un roman d'atmosphère captivant et richement documenté, Michel Moatti propose une solution inédite à l'énigme posée en 1888, qui était Jack l'Éventreur. Vraiment trop bien. Le résumé a l'air vraiment super bien. Ça a l'air vraiment top, top, top. On est donc plongé encore dans ce Londres, on va dire londonien, dans ce Londres londonien. Dans ce Londres victorien plutôt, et donc avec cette traque d'un tueur en série super connu, Jack l'Éventreur qui ne le connaît pas, et voilà, super super contente de l'avoir pu l'avoir. En tout cas, si ça vous intéresse de faire une lecture commune, je suis totalement ouverte pour ça. Donc voilà, ouf. En plus, parlant de Londres, je vais bientôt partir à Londres. Enfin, pas bientôt, l'année prochaine, mais ça va me mettre un peu dans l'ambiance londonienne, donc trop bien. Donc c'est tout pour les réceptions, pour tout. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse là, et je vous reprends donc plus tard. À tout à l'heure. Et salut! Aujourd'hui, on est donc mercredi 23 novembre. Je vous prends pour vous montrer cette merveille. Je l'ai commandé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, mais je l'ai reçu et oh, qu'est-ce qu'il est beau! C'est donc une T-Box. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une T-Box. Une T-Box, c'est une box avec du thé, tout simplement. Et ce mois-ci, c'était donc l'Orient Express. Regardez-moi comment il est magnifique. En fait, il dirait un livre, tout simplement. Bon, je vous montre l'intérieur. Alors, paf. L'intérieur est encore trop beau. Oh, magnifique. Vraiment. Donc là, c'est un cahier des saveurs. C'est là où ils nous disent un peu ce qu'il y a dedans. On a eu donc des chocolats. Et plein de thé. Donc 3 thés en vrac. Qui sont en fait, je crois, des thés qui sont un peu... qui est en fait souvent sur le thème en fait de la boxe. Et coucou Matcha. Matcha. Matcha est curieux. Matcha fait son curieux. On a eu aussi donc 3 thés de cette marque-là. Donc la marque c'est Christie's. Ah bah tu connais Christie's. Trop bien. Voilà. La marque Basilure. Magnifique packaging qui brille. Et comptoir français du thé. Voilà. C'est pour ça que je vous prenais, pour vous montrer cette magnifique tea box. Et c'est pas mal parce qu'avec, ils nous donnent en fait des filtres à thé. En fait, c'est pour mettre le thé.
en vrac à mettre dedans. C'est super, vraiment magnifique, je suis trop contente. Comme je sais ça que c'est une tisane, je vais sûrement tester ce soir cette tisane. Et j'en dirai si c'est pas mal. Et je pense à emporter bien sûr au boulot pour tester tout ça. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Je la trouve vraiment magnifique cette T-Box ce mois-ci. Voilà, je vous laisse là. À plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas appris, il s'est passé pas mal de choses. J'ai mon chéri qui a eu donc le Covid et qui me l'a refilé. Donc c'est pour ça qu'on va dire que les vidéos que vous avez vues la dernière fois donc datent du week-end dernier, donc de dimanche. Et là donc je vous reprends, on est jeudi, ça va beaucoup mieux de mon côté. Donc c'est pour ça que je vous prends pour vous parler en fait, pour quand même vous montrer les choses que j'ai lues, que j'ai reçues. Et voilà, et aussi ça me fait du bien aussi de reprendre un peu les vidéos et de parler, de parler à ma caméra et de vous parler surtout et pouvoir aussi sortir ce vlog enfin. Alors, je vais peut-être commencer déjà par les réceptions. J'ai donc reçu lundi, je crois, je sais plus, ouais. J'ai reçu donc lundi deux marque-pages, donc de la collection de Léa Boukadik. Donc elle a sorti sa collection là il n'y a pas très longtemps, pour Noël. Et j'ai pris donc ces deux marque-pages là. Et je vous dis, c'est mes préférés. Vraiment, de tous les marque-pages que j'achète un peu dans des boutiques indépendantes, Léa Boukadik est quand même une que je préfère. Parce que le marque-page, il est vraiment de qualité. Hein. C'est un marque-page qui est assez verni, assez irisé. Et je les trouve toujours magnifiques, ces marque-pages-là. Donc voilà, ça, c'est mon préféré. Hein. Vraiment, il est magnifique. Merry Christmas et tout. Et celui-ci aussi, trop mignon, que j'adore aussi. Vraiment, une qualité, ces marque-pages. Moi, je vous conseille vraiment ces marque-pages. Hein. Moi, j'adore. En plus, ça convient pour les brochets et pour les... pour les poches, donc c'est vraiment super bien. Donc voilà pour ma petite réception, donc plutôt livresque que marque-page. J'ai aussi donc reçu, je suis allée chercher ce week-end, une commande que j'ai reçue Vinted. C'est donc le premier tome donc de Margot Motin, le printemps suivant. C'est donc une BD. Margot Motin, on la connaît un peu parce que je crois qu'elle a fait Orgueil et préjugés en BD, qui a l'air vraiment pas mal. Et de toute façon, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis très longtemps et j'adore ses dessins. Et aussi les dessins de son cher et tendre Pablo, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, j'aime bien aussi ses dessins à lui. Et j'aime bien les suivre tous les deux, je trouve ça assez sympa. J'ai commencé, je crois, pendant le confinement, j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai trouvé ce tome 1 sur Vinted, pas très cher. Je me suis dit, allez, je vais me tenter cette auteur-là, que je connais pas, que je connais, mais que j'ai jamais lu de BD. Donc je me dis, c'est une chose à faire, quoi. Donc voilà. Une chose à faire, une chose à lire, oh là là. En parlant de ça, j'ai fini de mes BD en ce moment. J'étais en train de lire une BD. J'étais en train de lire celle-ci. J'étais en train de lire Sacrée Sorcière, que j'ai commencé il y a beaucoup de temps et que j'arrivais pas à finir, je trouvais pas le temps. Comme là je suis confinée et arrêtée, j'ai réussi à finir cette BD enfin. Donc je me dis pourquoi pas enchaîner sur celle-là. Je vais voir, pourquoi pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que celui-ci était très très bien. Encore quelqu'un que vous connaissez bien, Pénélope Bagieux, celle qui a fait Les Culottés. Donc très très beau dessin. L'histoire, je pense qu'elle n'est pas finie. Je pense vraiment qu'elle n'est pas finie parce que moi, il me manque quelque chose là. C'est pas abouti, mais en tout cas, très très bien. J'ai adoré. De toute façon, Roald Dahl, on aime tous. Hein. Donc voilà. Petite update BD. Donc, sur ce, les BD, c'est bon. Après, donc, je crois que je vous ai quitté
sur le fait que je commençais le chant d'Achille. Alors, le chant d'Achille, j'ai terminé. J'ai terminé dimanche. C'était une très bonne lecture. Encore une fois, j'adore la plume de Madeline Miller. Dans Circé, j'avais adoré ce côté reclus, cette sorcière qu'on a beaucoup catégorisée et que, voilà, qui est rejetée, en fait, par les siens. Là, c'est pas vraiment l'histoire d'Achille. Enfin, si, c'est l'histoire d'Achille dans les yeux de Patrocle. Donc, Patrocle qui est en fait son compagnon. Voilà, tu mets les guillemets. Son compagnon. Et en fait, c'est plutôt leur histoire à eux deux. Moi, je trouve que le chant d'Achille, ça n'aurait pas dû être le titre. Ils auraient dû trouver un autre titre. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Encore comme une fois, j'ai adoré la lecture. J'ai pas de préférence entre Circé et Le Chant d'Achille. Mais voilà, je vous conseille. Bonne lecture. Sympa. Surtout, j'aime. En fait, ce thème-là de la mythologie, c'est vraiment un thème que je lis tellement pas beaucoup que vraiment je trouve ça cool, quoi, de lire un thème sur la mythologie. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai pas lu beaucoup de livres, ouais, j'ai dû en lire peut-être 2-3 sur la mythologie, donc voilà, why not. J'ai vu qu'à la sortie que Albin Michel, je sais plus, oui, a sorti son troisième livre. Je ne sais plus comment il s'appelle ce titre-là, mais en tout cas, très pressée de pouvoir aussi lire d'autres livres de cet auteur. Donc, après ce livre-là, je me suis donc lu un service presse que je vous avais montré déjà. Donc, le Café du Temps Retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, qui est en fait la suite du Café du Temps... c'est ça? Non, Tant que le café est encore chaud. C'est la suite. Donc, dans le Café est encore chaud, on suivait... 4 femmes, là on suit 4 hommes, donc je trouve ça sympa. Faire 4 femmes, 4 hommes, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Encore une fois, très émouvant, addictif, cocooning, Yasui. Le café, voilà. Moi j'ai envie de me prendre un petit café et regarder en fait ces petites scénettes qui se passent devant nous, où en fait ils remontent le temps et en fait leur volonté c'est de retrouver une personne qu'ils ont aimée et qu'ils ont perdu de vue. Et je trouve ça super, super beau encore une fois. Donc ce livre-là, il m'a été envoyé par Glyph. Glyph, où j'ai donc fait une chronique donc pour Glyph. Je remercie encore Glyph et Albin Michel de l'envoi de ce livre. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Vraiment très très contente, très très contente d'avoir découvert ce livre. Voilà pour mes lectures lues. Maintenant, mes lectures en cours, dont lecture audio. Alors là, ma lecture en cours, je savais pas trop quoi prendre. Je vous avoue, j'étais un peu perplexe, je ne savais pas trop sur quoi me tourner. Et en fait, là, dans la semaine, avec mon chéri, on s'est regardé, parce que bon, il faut bien qu'on s'occupe, hein. On s'est regardé Mort sur une île, le nouveau film, vous savez, qui est sorti, je crois, cette année ou l'année dernière au cinéma. J'ai pas pu aller le voir au cinéma, et moi, j'avais lu le livre, en fait, et il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai vu qu'il était sorti sur Canal+, donc je l'ai regardé, et je me suis dit, allez... Sortons un livre d'Agatha Christie de la palle, ça va nous faire du bien. Et un livre que tout le monde parle, disant « Ouais, c'est le meilleur livre d'Agatha Christie que j'ai lu et tout et tout. » Et donc je sors celui-ci. Le meurtre de Roger Aucoin. Je sais pas comment on dit, Aucoin. je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un des meilleurs Agatha Christie. Moi, pour l'instant, je vous avoue, de tous les Agatha Christie que j'ai lus, mon préféré, c'est « Ils étaient 10 ». Vraiment, hein. C'est vraiment un livre que j'affectionne énormément, où je me rappelle, j'ai dû le lire en 2-3 jours, et il fallait vraiment que je sache la fin. Donc je l'ai quitté ce livre-là, et il était 3h du mat. Tellement, ce livre, il est tellement bien, quoi. Donc, là, pour l'instant, j'ai lu 4 chapitres, donc 40 pages pour l'instant. Et comme d'habitude, super lecture. On me tient vraiment Agatha Christie tient le lecteur, elle nous tire en fait vers ce qui va se passer, et vraiment pour l'instant j'adore. Donc j'ai lu, ouais, 40 pages, donc vous voyez, je suis loin,
Mais en tout cas, très bonne lecture. Pour l'instant, voilà, je dévore facilement. Je pense pas mal lire ce soir. Mes chats font des bêtises. Mocha? Mocha? Font des bêtises. Donc voilà. Pour ma lecture en cours. Ma lecture audio, donc je suis toujours sur Agatha Raisin, le tome 2, en remède de cheval. Donc je me suis rendu compte que, attention, que en fait j'avais vu la série Agatha Raisin et j'avais vu cet épisode-là. Donc je sais qui est l'assassin. Mais bon, c'est pas trop grave. Je pense que le livre quand même est vachement plus développé que la série. Je me rends compte qu'il se passe énormément de choses dans les livres d'Agatha Raisin. Je trouve ça hyper sympa quand même. Donc voilà, je suis à peu près chapitre 6. Voilà, je suis à plus de la moitié. En ce moment, comme je prends pas les transports, comme je suis malade, je peux pas trop lire de romans d'Agatha Raisin. De romans d'Agatha. Donc je peux pas trop d'écouter d'audio. Mais bon, là, je pense que demain, je vais faire pas mal le ménage. Donc je me demande si je vais pas me mettre Agatha Raisin en fond pour pouvoir quand même bien avancer sur cette lecture-là. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez, je peux vous montrer mes calendriers de l'Avent, parce que je me suis dit. J'ai montré là tout à l'heure mes calendriers de l'Avent, parce que je vous ai montré un, je crois, mais je vous ai pas montré mon deuxième. Je me dis que c'est pas mal de vous montrer le calendrier de l'Avent. Et ouais, donc on a aussi profité, donc qui dit décembre, on a donc profité de mettre donc les décorations de Noël. Donc trop contente, j'ai fait mon sapin, il est trop beau, je suis trop contente. Et donc je vais montrer ça, je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Donc voilà, j'ai quand même dit pas mal de choses, je pensais pas vous dire autant de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous montrer tout de suite mes calendriers de l'Avent. Et voilà mes deux calendriers de l'Avent. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré, c'est donc le Daman. Voilà, il est tout beau. Donc le Daman. Donc voilà. Donc j'ai déjà ouvert la case numéro 1, je vous ai pas montré. Peut-être que je vous montrerai demain ce que j'ai eu sur la case numéro 2. Et je me suis aussi pris le calendrier de l'Avent Marionneau. Qui est magnifique. Et en fait c'est sur le thème de Blanche-Neige. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà. Donc ce matin, c'était donc c'était un nettoyant exfoliant. Donc voilà, demain ça sera la 2. Elle est juste là. Ce sera sûrement encore une crème, vu le tube. Mais voilà, donc super beau. Je suis trop contente de ces calendriers de l'Avent. Marionneau, je crois que j'ai jamais pris Marionneau, je n'en peux plus. En tout cas, j'ai déjà pris Sephora et Nocibé. Et là, Marionneau, c'était la première fois. Je vous montrerai demain ce que j'ai eu dans mes cases. Donc voilà, je vous laisse là. Et donc, à tout à l'heure. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, donc on est le 2 décembre. Comme j'ai pas ouvert avec vous hier mon calendrier de l'Avent, je vais essayer de donc vous montrer en fait ce que j'ai eu pour le 2. Ah, je sais même pas où il est. Mais il est où? Je pensais l'avoir vu et là je ne le vois plus. Je vous avoue, c'est un peu compliqué moi je trouve de voir. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez quand vous voyez de long, on voit pas vraiment les chiffres en fait. Un peu chiant. Ah voilà, le 2, j'ai trouvé. Il est juste là. Paf. Il est là. Alors, quel est ce thème? My panettone. Un panettone. Ah, c'est bon les panettones. Vous savez, c'est un gâteau de fruits secs qu'on a. Oh là là, ça fait pas la mise à jour. Allez. Qu'on a. C'est un gâteau italien. C'est un gâteau italien. Oh là là, ça veut pas faire la mise à jour. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. La mise au point là. Allez. Bon bref. C'est un gâteau italien qu'on mange à Noël, le panettone. Donc sympa. Ça va être sympa. Donc ça va être un gâteau un peu un thé aux fruits secs. Donc maintenant, celui-ci, le 2, je pense que je l'avais vu hier. Il est juste là. Hop.
trouve une crème. Alors, c'est une crème. Crème sorbet crème hydrate durablement protège de la pollution. Compagnie de Provence. Je sais pas si c'est une crème pour les mains ou une crème. Ah non, une crème hydratante visage, super, cool. Je vais tester là tout à l'heure. Bon bah voilà, pour tout ce que j'ai eu de mes deux petits calendriers, enfin petits, deux calendriers sympas que j'ai. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Salut tout le monde! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Mais avant ça, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc tout d'abord, j'ai eu donc une réception la semaine dernière, fin de semaine dernière. Je vais vous montrer tout ça. Je me suis donc. Alors il y a en fait petite lectrice, je pense que vous connaissez, a ouvert donc une boutique il y a quelques années. Et là, donc elle la ferme. Et elle a fait donc une réduction sur des lots. Et sur des lots, sur des produits. Et donc voilà, je me suis fait donc une commande sur sa boutique. Donc je me suis prise donc un joli petit tote bag avec des livres et un petit café, je dirais, et des macarons. Tout mignon. Voilà. Moi j'adore les tote bags, je trouve ça trop pratique en plus un tote bag. Ça s'emmène partout, ça peut se plier, le mettre dans nos sacs à main, je trouve ça cool. Donc voilà ce petit joli tote bag et je me suis aussi pris cette petite tasse. Je me suis fait infuser du thé. Donc voilà, petite tasse avec deux petits chats. Donc je crois que c'est les chats de petite lectrice si je ne me trompe pas, qui sont dans une bibliothèque. Voilà. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos sa boutique. En tout cas, si vous voulez, par exemple, je sais pas, pour des achats de Noël, je trouve ça assez sympa pour des personnes qui aiment les livres. Je trouve ça cool. Ouais, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, mais surtout, j'espère surtout qu'elle fait encore des réductions et qu'il y a encore des choses sur sa boutique qui sont disponibles. Parce que bon, c'était il y a quand même une semaine, je crois. Désolée, j'avais trop soif. Donc, pour les réceptions, c'est tout. J'ai fini quand même pas mal de lectures. J'ai fini ma lecture audio. Donc le Dompteux d'Agatha Raisin. Remède de cheval. Bonne lecture, je dirais pas très bonne lecture. Je connaissais déjà la fin parce que comme je vous l'avais dit, j'ai déjà vu la série. Mais ouais, très bonne lecture. C'était sympa à suivre. Agatha Raisin, toujours aussi marrante. Toujours aussi, voilà, une personne qui se met dans des situations un peu cocasses, mais super sympa en tout cas. Très bonne lecture. Mais voilà, j'ai le tome 3 qui m'attend dans ma palle. Mais aussi, faut aussi que je continue Hamish Macbeth Enquête. C'est donc une deuxième série de Cozy Mystery de MC Beaton. Et ça parle plutôt je crois, d'un policier écossais. Moi j'ai lu le tome 1 qui était assez sympa, donc je me dis qu'il y a le tome 2 aussi, pourquoi pas le lire. Mais voilà, en tout cas c'est donc ma lecture audio que j'ai terminée. J'ai aussi donc terminé Le meurtre de Roger Ockrott de Agatha Christie, que j'ai terminé donc hier après-midi. Donc c'est une enquête où Poirot donc va enquêter sur la mort de Roger Ockrott avec Dr Shepherd qui était un témoin de ce meurtre-là. C'est une très bonne lecture. C'était comment dire, la fin, je m'en doutais de la fin. Vraiment, enfin, je m'en doutais. Je veux dire, au bout, ouais, à la fin, on va dire, avant-dernier chapitre, je me doutais qui était le meurtrier. Mais comme d'habitude, Poirot a hyper bien mené l'enquête et a bluffé encore le lecteur, enfin, Agatha Christie. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, Poirot, dans ce livre-là, il est battu en retraite. Il se cache même sous le nom de Monsieur Poirot pour échapper, en fait, aux gens qui veulent peut-être, comment dire, le réquisitionner pour enquêter. Et il va, en fait, sortir de cet anonymat-là pour aider, donc, le docteur Shepherd à enquêter sur le meurtre de, donc, Roger Ockrott. C'est un meurtre encore assez
assez marrant avec assez de mystère. Et voilà, c'était une très très bonne lecture. Je vous conseille cette Agatha Christie si vous n'avez pas encore lu d'Agatha Christie. Moi, c'est un de mes préférés quand même là avec Ils étaient 10, qui était quand même pour moi aussi une magnifique lecture, une lecture encore plus bluffante que celle-ci. Donc, je vous conseille ce livre-là qui a été vraiment un très 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 bonne lecture du début à la fin. J'ai adoré. Donc voilà pour deux lectures que j'ai terminées. Mais hier, en fait, j'ai terminé donc hier après-midi, mais je voulais encore lire. Mais comme j'avais une lecture de commune de prévue pour aujourd'hui, je me suis dit, je vais lire quand même autre chose. Je me suis donc mise à la lecture de BD. Donc je me suis lu donc le tome 1 et le tome 2 de Crapule. C'est deux livres que je me suis donc achetés à Brive. Voilà, j'ai adoré. Vraiment, c'est trop mignon. Et je voulais montrer sur Instagram et plusieurs personnes m'ont demandé si ces lectures-là convenaient à des enfants. Et oui, totalement. C'est des lectures qui peuvent convenir à des enfants. C'est des lectures toutes mignonnes, toutes douces sur les chats. Si par exemple vos enfants ont un chat ou aiment les chats, je trouve ça trop mignon. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Je crois que le tome 3 est en préparation. Donc voilà, trop contente. Nous, en tout cas, avec mon copain, on a adoré. Il a lu aussi, il a adoré, il a trouvé ça trop mignon. Et ça nous a bien rappelé notre petit chat noir aussi. Donc super sympa comme lecture. Et voilà, je vous recommande. C'est vraiment un très joli cadeau pour Noël, je trouve. Donc une petite idée pour Noël. Voilà. Et je me suis donc aussi enchaînée une autre BD. Donc Voir la paix au bout du tunnel de Matouf. Matou, donc, que j'ai rencontré aussi à Brive, qui m'a fait une super dédicace mille couleurs, que j'adore, trop belle. Et voilà, donc Matou, là, elle raconte en fait son quotidien. Donc c'est un dessin par page, vous voyez. Elle raconte en fait son quotidien dans cette BD, donc en 2019-2020, donc pendant le confinement, et qui trouvait ça super marrant, avec beaucoup d'anecdotes que nous, on a tous connues pendant ce confinement-là. Donc ça fut une très très bonne lecture. Je pense lire très prochainement d'autres BD de Matouf, et je vous conseille énormément, si vous connaissez pas Matouf, de regarder un peu ce qu'elle fait, et vous allez voir, j'adore en tout cas. Donc voilà pour les lectures que j'ai lues. Donc j'en ai quand même lu pas mal, 5 livres lus en décembre, enfin terminés en décembre. C'est pas mal du tout, donc je suis assez contente de moi. Donc j'ai commencé en lecture audio celui-ci, La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley. Je vais vous lire le résumé. 1995, Londres. Johanna Aslam, brillante journaliste londonienne, à qui rien ne semble sourire dernièrement, se retrouve tirée au lit par son patron pour aller couvrir les funérailles de Sir James Harrison, monstre sacré du cinéma britannique qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de chances de lancer sa carrière. Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Johanna ne tarde pas à remonter la piste d'un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de 70 ans de mensonges et de mystères, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de personnes haut placées, prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Marcus Harrison, le charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, sera-t-il un allié ou un ennemi dans cette quête de vérité? Voilà, encore Lucinda Riley, encore secret de famille, du passé, super, encore comme d'habitude, je ne l'ai pas lu, hein. Mais voilà, ça me donne très très envie, donc très très pressée de bien entamer cette lecture audio. De Lucinda Riley, j'ai quand même lu quasiment tous les tomes des 7 sœurs, il me reste juste le dernier sur La sœur disparue, que j'aimerais bien me fixer à lire pour l'année prochaine. Comme ça, quand le dernier tome arrivera sur Passalt, je vais pouvoir entamer ce tome-là. J'ai lu que ça. Non, j'ai lu aussi Un hiver à Winter. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, c'est un truc aussi. Un autre livre de Lucinda Riley que j'avais lu qui était en dehors des 7 sœurs. J'ai aussi à lire La chambre des papillons. Ouais, de Lucinda Riley que j'ai pas encore lu. Et. Ah oui, et le truc de l'orchidée que j'ai pas encore lu. Ouais, j'en ai quand même pas mal que j'ai pas encore lu. Mais il me serait tardé de commencer d'autres lectures, donc pourquoi pas après enchaîner sur un autre Lucinda Riley, on me dit. Pourquoi pas? Donc voilà pour ma lecture audio. Et la lecture commune que j'ai commencé donc aujourd'hui,
C'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat. Mon premier livre de Noël de ce mois de décembre, donc trop contente. Je vais vous lire tout ça. Léna n'en revient pas, comment sa mère qui l'a convoquée pour passer Noël à la maison de son enfance a-t-elle pu disparaître et ne lui laissant pour que ce message sibyllin? La voilà donc coincée dans le petit village de Valenod, au cœur des Alpes de Haute-Provence, et condamnée à passer la fête qu'elle est plus que tout au monde, entourée de sa famille pour le moins haute en couleur. Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis. Les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer. Donc voilà, encore secret de famille, mais ça a l'air aussi assez cocooning, hein, donc ça se passe dans les Alpes, ou voilà, au point de feu. Moi, voilà, je m'imagine un peu comme ça, vu aussi la couverture qui a l'air aussi trop trop belle. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, donc que j'ai commencé aujourd'hui. J'ai lu, j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu 20 pages, hein, mais que je vais continuer donc aujourd'hui et toute cette semaine. Donc voilà, pour mes lectures commencées et mes lectures terminées, je vais donc clôturer ici ce vlog. J'espère que ce petit vlog, quand même, qui s'est quand même qui s'est vachement étalé sur 2 à 3 semaines, si je me trompe pas. Mais voilà, avec le Covid, avec ma fatigue, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à reprendre la caméra et vous filmer un peu ce que j'ai lu. Mais voilà, j'espère tout de même que tout ça vous a plu, que vous retrouverez un peu dans mes lectures. Voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous retrouve donc à une prochaine fois et je vous souhaite donc de très bonnes lectures.